Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Thomas Hugues. Et c'est l'heure du Tout Info avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et si vous avez déjà voyagé en célibataire, ça ne vous a pas échappé. Les vacances en solo, ça coûte toujours plus cher qu'en couple ou en famille. Beaucoup plus cher, selon les informations d'RTL. C'est l'UFC Que Choisir qui a fait les comptes. En club vacances, à l'hôtel ou en croisière, un célibataire paye en moyenne 53% de plus que les autres, soit environ 400 euros par semaine. Et ça n'est qu'une moyenne, précision de Mathieu Escaut de l'UFC Que Choisir. Là où le supplément personne seule est le plus élevé, c'est dans les croisières. Chez Costa Croisière, le surcoût était de 34% en moyenne. En revanche, il était de 96% chez MSC Croisière et même de 149% chez Royal Caribbean. Ce qui veut dire, tenez-vous bien, que quand vous voyagez tout seul, vous allez payer une addition qui va être supérieure à ce que paye un couple dans son ensemble. Propos recueillis pour RTL par Armel Lévy. Vacances dramatiques en Grèce. 6 touristes étrangers sont morts et au moins 30 personnes ont été blessées dans des intempéries. Une tornade et de violents orages de grêle ont frappé la Chalcidique dans le nord du pays. En France, un incendie a ravagé une trentaine d'hectares de végétation dans la zone industrielle de Vitrolles hier. Le trafic a été interrompu sur l'autoroute A7, mais il devait être rétabli dans la nuit. Dans l'actualité de ce 11 juillet, cette histoire incroyable de fraude chez Pôle emploi. Oui, une employée de l'agence de Pontarlier dans le a été arrêté pour avoir détourné 260 000 euros. Pas n'importe quel employé, il s'agit précisément de la personne chargée de lutter contre les fraudes, Yannick Collant. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Cette cadre de Pôle emploi connaissait parfaitement les rouages de la lutte anti-fraude puisqu'elle en était la référente pour le secteur de Pontarlier. Et depuis de nombreux mois, elle avait mis en place un système ingénieux de détournement. Elle accordait des indemnités chômage à des connaissances qui n'y avaient pas droit ou inventait des emplois en Suisse pour gonfler les indemnités de quelques amis qui lui reversaient ensuite une partie des sommes perçues. Le système était bien rodé, 260 000 euros détournés au minimum. D'après les enquêteurs, la cadre de Pôle emploi en profitait pour mener la grande vie, achat de voitures, dîner dans des restaurants prestigieux. Mais un jour où elle était absente de son bureau, une remplaçante a tiqué en découvrant ces dossiers un peu bizarres. Les policiers ont alors épluché pendant un mois et demi tous les dossiers traités par cette référente anti-fraude. Lorsqu'ils l'ont arrêtée, elle a immédiatement reconnu les faits. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle ne savait plus comment s'arrêter. 7 de ses amis sont également poursuivis pour recel. La cadre de Pôle emploi risque désormais 7 ans de prison et 750 000 euros d'amende. Yannick Holland, correspondant d'RTL dans l'Est. Le nombre de féminicides en léger recul en 2018, mais 121 femmes ont tout de même été tuées par leur compagnon ou ex-compagnon. C'est une victime tous les 3 jours. La tendance repart nettement à la hausse ces derniers mois avec 76 féminicides depuis le début de l'année. Dîner de travail ou dîner de gala entre amis, les révélations de Mediapart sur François de Rugy sèment le trouble. Selon le site internet, le ministre de l'écologie, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, a multiplié les repas fastueux, homards, champagne et grands crus aux frais du contribuable. Il assure qu'il s'agissait d'un travail de représentation, mais pour l'ancienne ministre socialiste Delphine Batho, la question de sa démission doit maintenant se poser. Ce mélange des genres, en fait, il traduit une confusion qui n'est plus possible aujourd'hui entre ce qu'est l'exercice de responsabilité publique qui suppose humilité et modestie et un usage personnel de l'argent public. Dans ses fonctions de ministre aujourd'hui, il n'aura plus l'autorité nécessaire pour faire son travail de ministre. Delphine Batho, jointe pour RTL par Marie-Bénédicte Allaire. Autre souci pour la majorité, la campagne des municipales à Paris. Benjamin Griveaux a été désigné hier par la commission d'investiture de La République En Marche aux dépens du mathématicien Cédric Villani. Le candidat malheureux a annoncé sa défaite sur Twitter avant même le résultat officiel. Et pour l'instant, il n'a toujours pas exprimé son soutien au vainqueur, d'où ce rappel à l'ordre d'Alain Richard, membre de la commission d'investiture. Il nous avait dit, les yeux dans les yeux, hier, qu'il serait solidaire de la décision et qu'il participerait à la campagne commune. Donc je pense qu'il va se reprendre et je pense qu'il faut qu'il soit attentif à l'effervescence de son entourage. Alain Richard au micro RTL de Marie Mollet. RTL Matin, 7h34. Un comité central d'entreprise sous tension ce matin chez Conforama. Les syndicats et la direction se retrouvent dans une heure en Seine-et-Marne. Première rencontre depuis l'annonce la semaine dernière de la suppression de 1900 postes avec 32 fermetures de magasins. En Allemagne, la chancelière chancelle. Angela Merkel a de nouveau été victime d'une crise de tremblement hier lors d'une cérémonie officielle. 3 fois en moins d'un mois, ça commence à faire beaucoup. Jusqu'ici, elle avait évoqué un problème de déshydratation. Hier, elle a parlé d'anxiété, mais c'est voulu rassurante, comme toujours. Explication peu convaincante, écoutez.
Je vais bien. Comme je l'ai dit il y a quelques jours, je suis encore dans une phase de récupération psychologique. Après l'expérience que j'ai vécue lors de ma cérémonie d'accueil militaire du président ukrainien le 18 juin, et ce n'est pas terminé, mais il y a des progrès. Je vais très bien, il ne faut pas se faire de soucis. Et désormais, la presse allemande s'interroge sur les capacités de la chancelière à gouverner. Un échec pour Ariane, le lancement d'une fusée Vega depuis la Guyane a échoué. Premier couac après 14 lancements réussis. Cette fusée devait mettre en orbite un satellite pour les Émirats Arabes Unis. RTL, Tour de France 2019. Fenêtre sur Tour. Et Julien Alaphilippe, toujours maillot jaune à l'issue de la cinquième étape remportée hier à Colmar par le Slovaque Peter Sagan. Ce maillot va-t-il le garder? C'est tout l'enjeu de l'étape du jour. Première étape de montagne dans les Vosges avec une arrivée au sommet à la planche des belles filles. Et les belles filles, il aime ça, Christian Laborde. Eddy Mitchell et Formel, ça sera toujours le blues dans la banlieue de Mulhouse. Sauf aujourd'hui, Eddy, car aujourd'hui, il y a les coureurs, le jaune maillot, les beaux vélos et tous ces i dont on se souvient, Bartali, Coppi, Pantani. Et aujourd'hui, en sus des champions, il y a les filles. Ah, les filles qui nous ont rendu marteau. Les filles, aujourd'hui, se sont donné rendez-vous le long de la montée finale, montée qui, pour cette raison, se nomme Planche des belles filles. Aujourd'hui, c'est l'étape érotique. 7 km à 8% envahie par des filles. Mais que viennent-elles faire là, ces belles filles? Elles viennent applaudir les coureurs qui sont des beaux gosses. Il y a toujours eu dans le peloton des playboys. En 1930, elles n'avaient Dieu que pour le Valentino Dubraquet, Charles Pélissier. Et en 1951, que pour le pédaleur de charme, Hugo Coblet. Dans les années 60, elles s'amourachèrent de l'Espagnol José Pérez Frances, surnommé Alain Delon. Y a-t-il des Alain Delon, des Georges Clooney, aujourd'hui, sur la route du Tour? Que les coureurs retirent lunettes, casques et casquettes, et les filles de la planche des belles filles vous le diront. Fenêtre sur Tour signée Christian Laborde. Avec Daniel Moquet, retrouvez toute l'actualité de la Grande Boucle. Daniel Moquet, allez, cours, terrasse. Daniel Moquet signe vos allées. C'était le Tout Info avec Isabelle Choquet. On se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. Oui, on parlera vélo encore, on s'interrogera sur le dopage éternel.